That's the way this young nigga bleed. Drinking on sir, can't sleep. Can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Can't sleep. Yo tout le monde, j'espère que vous pétez la forme. Bah, avant de commencer le vidéo, je tenais à vous rappeler les FAQ. N'oubliez pas de me poser vos questions que je répondrai à la prochaine vidéo. Vous pouvez me poser tout ce que vous voulez, que ce soit sur mes logiciels de montage ou bien même mes futurs projets sur cette chaîne. Mettez en pause et laissez votre commentaire. Bon voilà, on se retrouve pour un premier review. Bon les gars, soyez un petit peu indulgents parce que voilà, c'est la première fois que je fais une review. Donc si je dis des conneries ou que mes explications ne sont pas au top, ben faites-le moi savoir en laissant un petit commentaire. Et aussi, je tiens à vous dire que je ne vais pas faire de review sur chaque chapitre, seulement les chapitres qui me semblent intéressants. Voilà. Bon voilà, bref, passons à cette review du chapitre 837. Bon, dans ce chapitre, j'étais vraiment étonné d'un personnage, Irouge. Comme la plupart d'entre vous, je pensais que c'était le supernova le plus faible. Et là, on a récemment découvert dans ce chapitre que c'est le seul personnage qui a réussi à battre un commandant. Même qui n'a pas réussi à faire ça et Capone Bay s'est rallié avec Big Mom et a vite compris que c'était impossible pour lui de la battre vu qu'il n'a pas réussi à battre un des commandants de la flotte de Big Mom. Et ça nous montre encore une fois que les primes ne reflètent en aucun cas la puissance de la personne. Un exemple peut être la prime de Nico Robin. Sa prime était de son dernier Bloodberry alors qu'elle était qu'une gamine. Elle avait cette prime parce qu'elle sait lire le poneglyphe. Qui est une menace pour le gouvernement mondial. Or pour Orouge, je pense que sa prime est faible parce qu'il n'est pas une vraie menace pour le gouvernement mondial. Bon voilà, j'attends vraiment de voir les flashbacks de ce combat opposant les Supernova qui étaient présents face au commandant de la flotte de Big Mom. Maintenant parlons du combat opposant Luffy à Cracker. Bon, dans ce combat, j'étais vraiment déçu de Luffy. Parce que voilà, ouais, c'est vrai que Cracker, quelqu'un de puissant, vu qu'il a une place assez importante dans celle de l'équipage au Big Mom. Mais comment veux-tu que Luffy arrive à battre Big Mom s'il doit déjà utiliser son Gear 4 contre un commandant? Après, oui, Luffy est du genre à s'énerver rapidement quand on parle mal de ses Nakama. C'est peut-être une raison pour laquelle il s'est transformé en Gear 4 assez rapidement. Mais d'un côté, Luffy ne pouvait rien faire avec son Gear 2 et 3 face à Cracker. Ça nous montre encore une fois que Luffy a besoin de s'entraîner et de parfaire son Gear 4. Parce que j'en suis sûr et certain que son pouvoir actuel ne va pas battre Big Mom. Bon, après Cracker s'est fait one shot par le Gear 4 de Luffy, mais bon voilà, je pense que Luffy l'a pris par surprise parce qu'il s'attendait pas à cette force vu que les précédents Supernova n'étaient pas au top quand ils sont venus dans le territoire de Big Mom. Bon, après j'ai l'impression que Cracker n'était pas au max de sa puissance lui aussi et que lui aussi va passer aux choses sérieuses dans le prochain chapitre. Mais bon voilà, on verra ça au prochain chapitre 838 si je ne dis pas de conneries. Bon, c'est la fin de cette review. Honnêtement, j'étais plus surpris par le discours de Brûlé que par le combat opposant Cracker à Luffy. Parce que voilà, je voulais savoir d'un côté comment Capone Belge a rejoint, a fait une alliance plutôt avec Big Mom. J'ai eu la réponse et c'est parce qu'il a perdu tout simplement. J'étais aussi surpris aussi par Urouge parce que voilà, je pensais pas qu'il était aussi fort. Après voilà, on sait pas comment il s'est pris. Est-ce qu'il a utilisé une attaque surprise ou bien est-ce qu'il s'est battu loyalement contre le commandant? Ben, ça on sait pas. J'espère que le prochain chapitre va nous donner plus d'infos sur ce sujet. Bon bref, voilà, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de t'abonner à cette chaîne et n'oublie pas les FAQ en laissant un petit commentaire. Sur ce, les Nakama, ciao. Sors le pompe, fais le move, fais le move. Sors le pompe, sors le pompe. Fais le move, fais le move. Sors le pompe, sors le pompe. Fais le move, fais le move.